est une bonne raison dans la réussite de la présentation du jardinier André Lenôtre par Éric Orsenna, publié chez Fayard avec en sous-titre « Portrait d'un homme heureux ». C'est que l'un et l'autre, l'auteur et son modèle, le sont heureux. Orsenna n'est pas simplement conseiller d'État et académicien français, il préside aussi l'école du paysage, tout comme le potager du roi à Versailles. C'est dire si l'horticulture lui est familière. Et puisque nous nous trouvons à Turin, dans les jardins du palais royal de la maison de Savoie, conçu par le nôtre, c'est le moment de parler de lui. Orsenna commence par raconter le monde et la perception qu'en ont les savants à la naissance d'André Lenôtre en 1613. Géométrie et raison prévalent, que le père enseigne au fils. Quant à l'étude de la perspective, née en Italie, elle obsède les architectes et les peintres. Le jeune André entre comme apprenti dans l'atelier du grand Simon Vouette, où il fait la connaissance de l'ami et du confrère d'une vie entière, Charles Lebrun. En 1637, Louis XIII fait d'André l'héritier de son père Jean comme jardinier en chef du palais des Tuileries. 1661, Louis XIV franchit la grille du château de Vaux-le-Vicomte, la demeure somptueuse, trop somptueuse, du surintendant des finances Nicolas Fouquet. Maître d'œuvre, Levaux, Lebrun, Lenôtre. On connaît la suite. Disgrâce de Fouquet, chantier de Versailles confié aux trois mêmes. Versailles, manifeste politique et artistique, morceau d'un siècle. Pendant 35 ans, Lenôtre aura été l'ami intime du roi, plus proche encore de lui que Racine. Lenôtre, dont l'œuvre aura ensemencé l'Europe et qui lui survit.